En juillet, retrouvez chaque soir le journal télévisé avec Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques et Thibaut Bastide. Découvrez notre émission Zoom avec les invités de TV Liberté, notamment Pierre Hillard, Patrick Liebrecht, Alain Sanders, Jean-Christophe Buisson. Retrouvez Politique Éco d'Olivier Pichon avec Charles Gave ou Pierre Jovanovitch. Prenez le temps de découvrir Passé-Présent avec Philippe Conrad, La Petite Histoire avec Christopher Lannes, Perles de Culture avec Anne Brassier, ou encore l'émission de débat Tête à Clash, immédiat avec Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp, et la semaine de campagnole de Christian Combaz. TV Liberté est avec vous tout l'été, foncez sur tvliberté.com. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche, en ce dimanche 22 juillet, 9e dimanche après la Pentecôte. Trois séquences dans notre émission. Tout d'abord, une rencontre avec M. l'abbé Barthes à l'occasion du 50e anniversaire de la publication par le pape Paul VI, le 25 juillet 1968, de l'encyclique « Sur le mariage et la régulation des naissances, Humanae Vitae ». Deuxième séquence, rencontre avec Guillaume de Prémar, délégué général du CTUS, à propos d'un numéro de permanence sur immigration et droits des peuples. Et enfin, Reynald Secher, président de l'association Mémoire du Futur, viendra nous présenter les travaux qu'il mène en la chapelle Saint-Pierre aux Liens depuis maintenant bien des années, en la chapelle Basse-Mer. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, très heureux. Merci de nous rejoindre. Donc nous fêtons cette année le 50e anniversaire de l'encyclique Humanae Vitae qui avait fait parler d'elle. Quel est le contenu de cette encyclique? De quoi est-il question? Il est question de la contraception artificielle, ce qui rentrait, on peut dire, sur le marché, dans la mesure où la pilule contraceptive, c'était inventé depuis quelque temps, bien sûr, devenait légal, notamment en France. En France, en 1967. Avec la loi de Wirth. Et cette contraception artificielle avait déjà été traitée par le magistère de l'Église, par Pie XII, qui, en conformité avec la tradition sur cette chose-là, avait dit que ça n'était pas possible, puisqu'il s'agissait de... Il ne considérait d'ailleurs pas l'aspect abortif qu'on ne connaissait pas bien à l'époque, mais simplement, et c'est très important, le principe même de la pilule contraceptive qui consiste à stériliser une femme pour qu'il puisse y avoir des rapports conjugaux ou extra-conjugaux d'ailleurs, sans possibilité d'avoir d'enfant. Pie XII avait tranché, avait dit « ça n'est pas possible ». On le dit peu, mais il faut le dire. L'affaire était déjà tranchée et clairement. Paul VI va donc à nouveau la trancher en 68 par le Humanae Vitae en disant ce que je viens de vous dire, il n'est pas possible de faire un mal, autrement dit de faire un acte intrinsèquement mauvais pour qu'il en devienne un bien, donc que la famille ne s'étende pas trop vite, que pour des raisons économiques, que sais-je. Donc ce que dit l'encyclique, c'est qu'il est contre la nature, la loi de nature, d'agir ainsi. Cela vaut également pour, disons le terme clair, les préservatifs, même chose. Hein, il s'agit de... Alors, toute autre chose est l'usage du mariage dans les périodes infécondes de la femme, qui là, bon, d'abord, ne sont pas absolument assurées, bien sûr, et puis correspond à la nature même des choses. Et il n'y a pas d'acte en lui-même mauvais.
Alors pourquoi ce sujet n'avait-il pas été abordé au Concile? On peut être surpris que l'encyclique intervienne 3 ans après la clôture du Concile. C'est-à-dire que le Concile a bien voulu. Il y avait une poussée très forte dès l'instant que la pilule contraceptive s'est répandue pour que l'Église autorise cette chose-là en disant qu'après tout, la science évolue. Le grand thème était celui du cardinal Suenens, disant « ne refaisons pas une nouvelle affaire Galilée ». Et Suenens donc a porté l'affaire très très fort avant le Concile, au fond, au début du Concile, pendant le Concile, après le Concile, pour que l'Église se prononce. Et il y avait aussi une très forte opposition traditionnelle au Concile, qui allait au-delà du « chez tous internationaliste », c'est-à-dire de la minorité, et des immenses hésitations de Paul VI, dont le Concile, finalement, a donné, dans Gaudium et Spes, un texte ambigu, on peut dire vraiment ambigu, sur les fins du mariage. On dit autrefois que la fin première du mariage était la procréation, ensuite l'aide entre époux, l'amour des époux. Bon, puis, organisé de diverses manières, certes. Le Concile a mis à peu près les choses sur le même pied, sans trop dire qu'il le faisait, ce n'était pas clair. Et surtout, il ne s'est pas prononcé parce que Paul VI a révélé en 64 qu'une commission avait été constituée pour étudier cette affaire de la contraception chimique. Donc il retirait l'affaire du Concile et il allait en parler lui-même. Il a mis 3 ans pour le faire, ce qui est énorme. Encore une fois, l'affaire était réglée. Or, il a donné l'impression qu'elle n'était pas réglée et que l'Église... Ce qui est évidemment terrible, parce que ça concerne tous les couples de l'humanité, et en tout cas tous les couples chrétiens qui attendent la parole de l'Église et qui, pendant 3 ans, sont dit « on ne sait pas ». On ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc, ils ont pris d'autres habitudes. Il a été ensuite difficile de revenir. Quel est le degré d'autorité de ce document? Ah, c'est la grande question. C'est pour ça que je la pose. En soi, il s'agit de la loi naturelle. L'Église a le devoir de rappeler cette loi naturelle parce que l'homme vit dans un contexte de péché et il est donc de son domaine de rappeler ce qu'est cette loi naturelle. Donc, de fait, on est dans le domaine de l'infaillibilité de l'Église, incontestablement, de la loi et des mœurs. Il n'y a pas de doute. Et ce qui avait été dit auparavant dans ce sujet, à savoir l'encyclique de Pie XI, Castitis Connubii, sur le détournement de l'acte conjugal, qui est au fond la même chose, ce qu'a dit Pie XII ensuite, rentre dans ce domaine et touche à l'infaillibilité de l'Église. Or, malheureusement, Paul VI n'a jamais voulu dire que son document était de soi un document infaillible. Et malheureusement, la suite a été la même. Il s'agit de cette blessure, on peut dire, du magistère de l'Église qu'on appelle la pastoralité. Je renvoie à une thèse qui vient d'être publiée par le père Lanzetta des Franciscains de l'Immaculée sur cette question-là. Le Concile a voulu rester un concile pastoral au lieu d'être un concile dogmatique et la suite a été dans cette même veine, y compris pour les bons documents, comme celui-là. Et par la suite, Jean-Paul II et son préfet de la foi, Joseph Ratzinger, sont allés très loin dans la défense de cette encyclique ou à l'éviter, vraiment très loin, et ça a été magnifique. Mais jamais, jamais, j'en suis le témoin pour avoir participé à des demandes, à des dubias sur ce point-là, jamais n'ont voulu dire que c'était un document infaillible. Alors comment ce texte fut-il accueilli à l'époque? Très mal. Très mal, justement à cause de ces 3 ans d'hésitation, à cause de la poussée qui venait du Concile, qui était une espèce d'ouverture libérale à la modernité, une transaction avec la modernité. On ne comprenait pas comment Paul VI ait pu revenir là-dessus. D'autant que, voyant les hésitations de Paul VI, la commission dont il avait parlé, qu'il avait formée, était majoritairement pour la contraception. Et pour obliger Paul VI à aller dans ce sens, la commission avait dévoilé quels étaient ses travaux. Donc on a été d'autant plus surpris, évidemment, que Paul VI prenne la vie de la minorité. – Ah, c'est le Saint-Esprit. – Tout à fait, j'en suis bien persuadé. C'est une encyclique qui est à cet égard très importante, en fait, malgré tout ce que je viens de dire, à savoir sur sa portée. Dans toutes les conférences épiscopales, les unes après les autres, l'Allemagne notamment, la France, la Belgique, pas toutes, l'Espagne non, l'Italie non, ont abondé dans le sens de l'interprétation.
dans un sens libéral de l'ancien gouvernement. On dit oui, bien sûr, voilà, ça c'est la doctrine, mais dans les cas particuliers, il y a des devoirs contradictoires qui font que, etc. Bref. Alors, quelle est la perception de ce document aujourd'hui ? Et y a-t-il des événements prévus à l'occasion de ce cinquantenaire ? La perception de l'événement, c'est qu'on n'en parle plus du tout. Je pense que depuis la fin du pontificat de Jean-Paul II, on ne parle plus de cette question-là. Malheureusement, Benoît XVI n'en a jamais parlé dans son magistère, dans son enseignement, on va dire, et on ne parle plus. C'est un fait acquis, l'encyclique n'existe pas. Et quant à les événements qui sont prévus, il était prévu d'un grand événement pro-humanévité, présidé par le cardinal Caffara, oui, oui, oui. À Rome, à la suite Jean-Paul II, mais un, le cardinal Caffara est mort. Décédé, deux, oui. Donc il ne peut pas présider. Et deux, la suite Jean-Paul II a été guillotiné, on va dire. Oui. Son président, Mgr Mélina, a été remplacé par un autre qui est de la ligne à Maurice Laetitia. Donc de fait, il y aura bien quelque chose qui sera organisé par un certain Mgr Marengo, qui est l'élément principal d'une commission qui s'intéresse à comment la décision de Humanévité a été prise. Donc pour mettre une espèce de distance historique et pour expliquer, on va ressortir, je pense, à cette occasion-là, les textes de la commission préparatoire pour dire que certains étaient contre, et même d'éminents théologiens comme le père Cottier, qui a changé, c'est très heureux, mais qui, le père Labourdette, qui se trouvait du mauvais côté, en tout cas, dans la commission. Bref, ça me paraît catastrophique. Eh bien, merci, monsieur l'abbé, de ces précisions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à une lecture peut-être un peu austère, mais certainement utile. Donc, il y a la relecture de l'encyclique de Paul VI sur la famille. On l'oublie, hein, le titre officiel, c'est sur le mariage et la régulation des naissances. Tout à fait. Donc, faut pas non plus être obsédé par l'affaire de la régulation des naissances. Il y a autre chose dans ce document. Donc, cette encyclique de Paul VI du 25 juillet 1968. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume de Prémard. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes délégué général d'Ictus et vous venez de publier dans le dernier numéro de Permanence, le numéro 568-569 de mai-juin, un excellent dossier sur immigration et droit des peuples. Alors, l'immigration libre et sans limite est-elle le stade ultime du libéralisme ? Oui, c'est ce que nous développons comme positionnement dans ce numéro de Permanence consacré à l'immigration. C'est un stade ultime du libéralisme, ou plutôt c'est peut-être un des instruments majeurs du libéralisme intégral. Je vois trois aspects principaux dans le libéralisme intégral. Il y a le libéralisme marchand, le libéralisme financier et ce que j'appelle le libéralisme migratoire, parce qu'il y a bien un libéralisme migratoire. Et tout cela est basé sur le principe de maximisation de la libre circulation des capitaux financiers, donc le libéralisme marchand, libre circulation des marchandises, et libre circulation des hommes, libéralisme migratoire, mouvement de main-d'œuvre, etc. Donc à mon avis, dans l'analyse qu'on peut faire des mouvements migratoires dans cette période contemporaine où on parle même de crise migratoire, la question du système économique, de la structure même du système économique et du libéralisme est en cause, et je pense que quand on dénonce le libéralisme, il faut dénoncer le libéralisme dans l'ensemble de ses composantes, dont le libéralisme migratoire, qui est souvent oublié par ceux qui contestent à juste titre le système économique. Donc ce qui est en cause, c'est bien cette, vous parliez d'immigration de masse ou de maximisation de l'immigration, c'est pas le fait de dire il faut une immigration zéro, hein. C'est pas la question de l'accueil, le principe même de l'accueil de migrants qui est en cause, mais c'est cet excès absolument invraisemblable que nous connaissons aujourd'hui de libéralisme migratoire qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui une crise migratoire, qui est une grave crise politique en Europe. – Alors vous développez ce thème autour de trois droits qui apparaissent sur la couverture, droit à vivre et travailler au pays, droit à la continuité historique, droit à recevoir notre culture. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces trois droits ?– Déjà peut-être dire que nous avons choisi comme angle celui des droits des peuples, parce que c'est un angle qui est rarement abordé. On aborde souvent l'immigration sous l'angle moral, ce qui se comprend bien évidemment. Cependant, le droit des peuples lui-même est peu abordé, que ce soit le droit des peuples des pays
des migrations, des peuples qui émigrent ou des peuples qui sont dans les pays d'accueil. Donc nous avons souhaité nous intéresser à cette question des droits dans une époque contemporaine où on valorise extraordinairement bien les droits divers et variés, et on oublie peut-être un certain nombre de droits. Donc le droit de vivre et travailler au pays, c'est quelque chose de très simple, c'est un droit naturel le plus basique, qui est tout simplement d'avoir la possibilité de vivre là où on est né, là où on a sa famille, ses amis, ses amitiés, ses sociabilités, ses racines culturelles, sa langue, etc. Et aujourd'hui, je crois que ce droit à vivre et travailler au pays, quand on voit la situation dans un certain nombre de pays, est gravement atteint et est une des causes de l'immigration. Le droit à la continuité historique, ça concerne davantage les peuples des pays d'accueil, notamment les peuples européens. Ce terme de droit à la continuité historique, il avait été utilisé par un intellectuel espagnol qui s'appelle José Ortega y Gasset. Là, on était dans les années 30, et Bérénice Levé a repris les travaux d'Ortega y Gasset pour promouvoir aujourd'hui, à notre époque contemporaine, le droit à la continuité historique. C'est simplement le fait que nous sommes inscrits dans une histoire. L'homme est un animal historique également, inscrit dans une historicité. Retrouver ce sens de continuité, c'est-à-dire de recevoir un héritage, de le bonifier et de le transmettre. Et il me semble que les pays d'accueil, on voit leur droit à la continuité historique menacé, parce que culturellement, il y a une sorte de perte d'identité qui fait que la crainte de rupture avec le récit historique d'un peuple, d'une nation, est une crainte réelle. Il y a une insécurité culturelle, dit le sociologue Laurent Bouvet, qui me semble très claire. Et je crois qu'il faut valoriser ce droit à la continuité historique. Et le droit à recevoir notre culture, ça concerne les personnes qui viennent chez nous. On a valorisé, rappelez-vous, dans toutes ces années 80, 90 et jusqu'à maintenant, le droit à la différence. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est mauvais que des personnes soient différentes, mais on a oublié une chose, c'est que ces personnes qui sont venues chez nous, qui ont immigré chez nous, avant d'avoir un droit à la différence, notamment culturelle, de mœurs, de mode de vie, etc., avaient un droit à recevoir notre propre culture pour s'intégrer, pour rejoindre en quelque sorte notre propre histoire, notre propre langue, notre propre culture et tout ce qui véhicule les affects, les symboles, les représentations, etc. Saint Augustin parle de la communauté des objets aimés. Ce qui fait un peuple, une nation, une appartenance, c'est la communauté des objets aimés. Cette phrase est magnifique. Et je crois qu'il nous a manqué de faire aimer ces objets qui imprègnent notre culture, notre histoire, notre langue, etc. Donc là, il y a évidemment un travail énorme à faire et respecter ce droit des personnes qui arrivent chez nous à recevoir notre culture et nous être prêts à la partager. C'est une identité dans le sens du partage et la proposer. Un certain nombre de chrétiens sont un peu désarçonnés par soit des déclarations pontificales, soit des livres. Je pense au livre de Mgr Sinetti, là, Il faut que des voix s'élèvent, qui semble donner tous les droits aux migrants en tant que personnes. N'y a-t-il pas, depuis quelques dizaines d'années, dans l'enseignement de l'Église, je dirais, une exacerbation de la personne que l'on pourrait qualifier de personnalisme, au détriment du souci du bien commun? Alors, il y a deux choses. Parlons d'abord de la question de la personne, peut-être, et du personnalisme. Vivons-nous aujourd'hui les conséquences d'un personnalisme excessif? C'est bien possible, même si naturellement, philosophiquement, personne et société s'articulent très bien, comme l'a montré Jean-Paul II dans son Anthropologie politique. Cependant, la balance a quand même beaucoup penché du côté de la personne. Je vais prendre un exemple, vous parliez de l'enseignement de l'Église. Le 15 août 2017, le 15 août dernier, le pape François avait parlé de l'immigration et parlé de cette centralité de la personne. Mmh. Et au nom du principe de centralité de la personne, le droit à la sécurité personnelle est toujours supérieur à la sécurité des nations. Donc ça, c'est un exemple qui est intéressant. – Avait suscité quelques commentaires. – Alors j'ai réfléchi à toute cette question. Parce que sur le principe, je me dis pourquoi pas, et j'ai réfléchi, je me dis oui, mais là, au nom de la centralité personne, droit à sécurité, donc des migrants, hein, il parlait des migrants, supérieur à la sécurité nationale. Mais la sécurité nationale, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que derrière la sécurité nationale, il y a bien aussi des personnes concrètes, de même qu'avec les migrants.
Alors comment on fait? Puisque là aussi, il y a une question de la sécurité personnelle. Personne contre personne. C'est personne contre personne. Donc on voit bien que là, on se retrouve devant une sorte de difficulté à résoudre. Il y a une sorte de tension que moi, en tout cas, je ne sais pas résoudre. Et peut-être que c'est un signe qu'il nous faut mieux articuler d'une manière générale, hein, dans notre époque contemporaine, dans notre modernité, comme on dit, la question de l'articulation de la personne et de la société. Ça me paraît clair, surtout que... On parle d'individualisme, c'est vrai qu'il y a une individualisation, mais comme l'homme est de toute façon animal social, il se regroupe, l'individuel ne dure jamais très longtemps, et ce qui se regroupe, au bout du compte, ce sont des identités tribales, et on assiste à une atomisation tribale de la société, tribu contre tribu, identité contre identité, au détriment de l'identité de la grande communauté civique. Et on voit bien que tout ça se défait, parce qu'on a du mal à articuler la question de la personne et de la société, en effet. Après, si vous voulez, on peut parler de la question de l'Église aussi. Alors, elle a déjà été abordée, puisque nous avons fait venir Laurent Dandrieux plusieurs mais fois. Oui, vous avez fait venir Laurent Dandrieux, voilà. Donc. Non, ce que je peux simplement peut-être ajouter, c'est que de toute façon, il y a des divergences d'opinion dans l'Église, et elles ne risquent pas de se réduire, puisqu'on vit une période difficile. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de tragique de l'histoire aussi, et que forcément, les positions ont tendance à se figer, et c'est normal. Donc, il faut vivre avec les désaccords. À mon avis, il faut vivre avec ces désaccords. L'unité de l'Église, ou la communion de l'Église, repose sur la foi, les sacrements et autre chose. C'est pas ça qui est en cause. Simplement, je pense qu'il y a un message de l'Église qui est important, c'est justement face au tragique de l'histoire, c'est nous aider, peut-être, nos âmes, aider nos âmes à ne pas s'endurcir, ne pas endurcir le cœur face au tragique de l'histoire, c'est quelque chose qui me paraît important, c'est vrai. – Alors, quelle solution, rapidement, préconisez-vous face à cette déferlante migratoire ?– Ah, les solutions… Le temps manque probablement pour décliner un catalogue de solutions, mais je vois quand même trois grandes orientations. Il y a la question du droit au développement. Par exemple en Afrique, puisque c'est un continent en explosion graphique dont l'universitaire américain Stephen Smith nous dit qu'il se rue, et que notamment que sa jeunesse se rue vers l'Europe. Donc il y a un problème énorme. Donc la question du droit au développement, après on a le choix entre la justice et la guerre. Et aujourd'hui le droit au développement est tout de même entravé par ce système économique, par les instincts de prédation des grandes firmes. Vous voyez, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de difficultés dans différents pays du monde qui sont liées aux instincts de prédation des grandes puissances économiques et marchandes et des grandes firmes, notamment américaines, mais pas seulement. Donc là, il y a vraiment un choix à faire, et ça remet en cause, une fois encore, le système économique. Il y a une deuxième orientation, c'est la réhabilitation des frontières comme outil politique. Il n'y a pas de politique migratoire sans frontières. Stephen Smith, il dit il faut que les Européens comprennent que les frontières, ce ne sont pas une barrière absolument baissée ou absolument levée. Il dit les frontières sont un espace de négociation. Donc si on arrive à allier le droit au développement et l'usage des frontières comme objet de négociation, notamment avec les pays africains, il y a peut-être des solutions à trouver pour éviter ces déplacements de population dramatiques. Et la troisième chose, là ça concerne davantage les gens qui sont déjà chez nous, c'est la culture. Il faut partager la culture. Notre identité culturelle, historique, linguistique, etc. doit être partagée. L'identité, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un repli sur soi, ça n'est pas une citadelle, au contraire, c'est un objet à partager, c'est une affection à partager. Et il faut absolument faire un travail culturel important, notamment dans les banlieues, où là on ne parle plus d'immigrés, ce sont les troisième, bientôt quatrième génération d'immigrés. Mais il y a un travail très difficile à faire, et je souhaite qu'on puisse prendre ces orientations et aborder plus sereinement les décennies qui viennent, parce que quand même on est face à une question qui risque de marquer lourdement, de structurer lourdement l'histoire sur les décennies qui viennent. Merci, cher ami, de ces précisions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'excellent numéro de permanence intitulé « Immigration et droits des peuples », avec en particulier les articles. Donc, vous-même, Guillaume de Prémar, « Le droit au développement », un entretien avec Alexandre Devecchio sur « Le droit à recevoir notre culture », également un très bon article de Philippe Pichot-Bravard sur « Le droit des nations face au désordre migratoire », et puis le témoignage d'un élu de terrain, « Immigration, le regard d'un élu de terrain », Jean-Paul Bolufère. Merci beaucoup. Merci, Lambert. Bonjour, Rénal Sécher.
Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui en tant que président de l'association Mémoire du Futur, qui depuis 1993 travaille à la restauration de la chapelle Saint-Pierre aux Liens à la chapelle Basse-Mer. Alors d'abord, quelle est l'histoire de cette chapelle ? Alors, c'est une histoire qui s'inscrit dans le temps. En fait, au XIe siècle, le Vatican décide de romaniser la Bretagne, qui était très touchée par l'Église irlandaise. Et pour ce faire, ils vont œuvrer à partir de deux grandes abbayes, une qui existe, Marmoutier, et une qu'ils vont créer de toutes pièces, l'abbaye Saint-Sauveur de Redon. Et à partir de ces grandes abbayes, ils vont implanter des prieurés. Et sur la frontière brito-française, il y a un énorme domaine qui appartient au seigneur Bassamarus, et ils vont le solliciter pour qu'il fasse une donation d'une très grande surface, de manière à implanter au cœur de cette surface un petit prieuré qui est consacré au voile de la Vierge, d'où le nom d'ailleurs de chapelle, c'est-à-dire le lieu où est déposée une relique, en l'occurrence un morceau du voile de la Vierge, le fameux voile de la Vierge de la cathédrale de Chartres. D'où le nom de la chapelle Basse-Mer, chapelle Basse-Mer, la chapelle du seigneur Bassamarus. Cette communauté va, dans le cadre d'un échange avec le chapitre de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes, échanger ce domaine contre d'autres biens, et en fait ça va devenir la première église de la première paroisse de la chapelle Basse-Mer. Au XIVe siècle, il va y avoir un transfert de bourg avec une nouvelle construction d'église, et cette église va devenir chapelle, mais en conservant tous ses privilèges. À la Révolution française, elle est vendue, elle est rachetée par le notaire royal pour la sauver. Il va la redonner à la communauté paroissiale, de nouveau elle va être nationalisée. Le notaire va de nouveau la racheter, va la mettre en concession à la paroisse, et heureusement parce qu'elle aurait été nationalisée une troisième fois. Alors, au sein de cette chapelle, il s'est passé des événements gravissimes, puisque plusieurs dizaines de paroissiens, de Vendéens, ont été brûlés vifs le 10 mars et le 17 mars 1794 par la colonne infernale Le Cordelier. Alors, quel est l'état de cette chapelle en 1993 ? Elle est complètement en ruine. Et elle est même invisible, puisque la nature a repris ses droits. On ne la voit même plus. Hein. Et donc, lorsque je vais me glisser à l'intérieur de cette végétation, je vais découvrir des murs absolument détruits, en ruine, etc. Et il y a urgence parce que la mairie a pris un arrêté de péril pour sa destruction en raison de sa dangerosité. Alors, quelle formule avez-vous mise en place de manière à procéder à cette restauration ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Dans un premier temps, je voulais la donner au diocèse, mais en fait, le diocèse n'était pas intéressé pour des raisons évidentes. Ils avaient tellement. Donc là, on est en Loire-Atlantique. On est dans le diocèse de Loire-Atlantique, effectivement, de Nantes. Et donc, j'ai monté une association, loi 1901, qui a eu pour immédiatement deux grandes fonctions. Pour commencer, la restauration du monument proprement dit, et en même temps, sa gestion. Hein, pour en faire un centre de documentation et un centre de réflexion sur la nature profonde des régimes totalitaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, aussi bien français qu'allemands, soviétiques, etc. La finalité, elle est là. – Alors, où en sommes-nous de l'état des travaux ? Alors, la première étape avait été de démonter et de remonter les murs de la chapelle. Ça s'est fait relativement vite, en fouillant le sol, on s'est rendu compte qu'il y avait les substructions d'une sacristie qui avait été brûlée à la Révolution et arasée. On a reconstruit la sacristie. Et en fouillant le sol et en étudiant les archives, on s'est rendu compte qu'il y avait ce prieuré, et on a donc décidé de reconstruire ce prieuré. En fait, on l'a doublé en termes de surface pour faire ce centre qu'on veut faire, ce centre de recherche. Et donc l'originalité, me semble-t-il, de cette formule aussi, c'est que plutôt que de faire appel à des professionnels, donc de récupérer de l'argent, de faire travailler les professionnels, vous organisez des camps chantiers. Oui, parce que je me suis rendu compte que la jeunesse catholique avait faim, mais elle ne savait pas s'investir.
Et donc j'ai décidé de faire de cette restauration un pôle pour faire en sorte que la jeunette vienne sur place, s'initie à la vie de groupe, non pas pour elle-même, mais pour justement se ressourcer et acquérir de l'expérience pour essayer de faire ailleurs ce qu'elle a appris à faire sur place. La deuxième chose, la plupart de ces jeunes sont des urbains. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion de ce que la nature, de ce que sont les matériaux, etc. Donc, leur apprendre à vivre dans la nature et apprendre aussi à découvrir le matériau. Et par exemple, savoir qu'est-ce que c'est une pierre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une pierre lorsqu'on les accumule. Qu'est-ce que c'est le liant, c'est-à-dire le chaux, la chaux, le ciment. Qu'est-ce que c'est le bois pour faire une porte, pour faire une charpente. Qu'est-ce que c'est l'ardoise, la tuile, etc. Et donc c'est tout ça que j'ai essayé de faire. Au bout de 25 ans, 1800 jeunes sont venus sur place, ce qui est énorme. Hein. Et d'ailleurs, lorsqu'on étudie le parcours qu'ils ont eu par la suite, ça a changé des vies. Hein, des gens qui étaient destinés à être des cols blancs sont devenus des cols bleus, et vraiment beaucoup. Et aussi, ils ont été à l'initiative d'un certain nombre de prérogatives locales, de restauration, susciter les maires pour qu'ils fassent attention à leur patrimoine. Et on a même des jeunes qui sont, grâce à la chapelle Basse-Mer, qui sont partis à l'étranger, notamment... et sur les lieux au Moyen-Orient, pour restaurer les lieux de culte. – Et alors, comment peut-on accéder? Le prochain camp, c'est à quelle date ?– Alors, le prochain camp commence le 10 juillet et s'achève le 17 août. Ce sont des camps très longs maintenant, oui. Qui durent… – Ah oui, 10 juillet, 17 août, plus d'un mois. Ah oui, plus Il d'un faut mois. Faire tout ou on peut faire une partie ?– Non, on peut faire une partie, minimum une semaine. – Oui. Hein. – Et l'idée cette année, c'est de… construire le toit du cloître, qui est immense. Hein. Et donc là, on a déjà une quarantaine d'inscriptions. On peut encore s'inscrire ? Bien sûr, on peut s'inscrire. Il suffit d'aller sur le site Mémoire du futur de l'Europe, hein, en partant du principe que pendant un mois et demi, hein, on est coupé du monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas le téléphone, on n'a pas la télévision, etc. Et en fait, c'est un peu du scoutisme, sauf qu'il est consacré à la restauration et à la construction du patrimoine. – Y a-t-il une présence sacerdotale dans ces camps ?– Oui, alors celle-ci, elle est plurielle. Les aumôniers titulaires de la chapelle Basse-Mer, c'est l'abbaye de la Grâce, chanoines réguliers de la Grâce. Et d'ailleurs, le père abbé, pour les 25 ans, le 11 août prochain, sera des nôtres, puisque ça a été le premier aumônier de la chapelle. Il est resté d'ailleurs très très longtemps. Hein. Et ensuite, on a un certain nombre de prêtres de passage, soit ils ont programmé leur passage, donc ils nous demandent de dire la messe, soit pour des raisons circonstancielles, ils vont découvrir cela par notamment en allant visiter les amis dans les communes, les paroisses circonvoisines. Et en fait, on a la messe tous les dimanches in situ. – Y a-t-il une date de prévue pour la consécration, puisqu'une église restaurée comme ça doit être consacrée ?– Absolument, d'autant plus qu'elle a été vendue deux fois, qu'elle a été souillée, etc. À l'heure actuelle, on n'a pas de date de prévue. Je pense que ça va se faire d'ici une dizaine d'années, lorsque vraiment tout sera fini. – Tout sera fini. – Oui, tout sera fini, parce qu'à l'intérieur, il y a un énorme travail de décoration à faire, d'autant plus qu'on veut graver dans la pierre comme au Luxe, au Boulogne, la liste de tous les gens qui ont été massacrés dans le canton, c'est à peu près 4000 personnes massacrées dans le cadre des colonnes infernales, mais aussi la liste de l'habitat détruit, parce que nous avons intégralement cette liste.
Et à l'extérieur, je veux monter un cimetière symbolique de 850 croix qui va représenter les 850 massacrés à la chapelle Basse-Mer durant ces deux jours du 10 et 17 mars 1794. Parce qu'en fait, leurs noms sont dans les registres, mais ne sont pas matérialisés comme au Luxe ou au Boulogne, oui, parce que gravés sur l'extérieur. Et là, lorsque les gens vont découvrir cet immense cimetière, qui sera un cimetière à l'américaine, hein, eh bien, ils ne peuvent être que fracassés par ça. Ils sont obligés de réfléchir. Eh bien, merci beaucoup pour cette très belle initiative. Bon courage pour vos travaux, puisque j'ai cru comprendre qu'il restait quand même quelques années de, travail. Voilà. Et donc, cette émission s'achève. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Et vous retrouverez donc notre ami Guillaume de Thieulois pour l'émission du 29 juillet. Bon dimanche à tous.